19h-21h, Dany prend le contrôle total de ta radio. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie. Kayam FM. L'ambiance est là. Kayam FM. À 19h03 sur Kayam FM. Bonsoir tout le monde. Vous êtes bien? Ah, moi aussi, bien merci. Oui, comme chaque jeudi soir. D'ailleurs, votre émission, le Tropical Night Live Tour sur Kayam FM jusqu'à 21h. Votre émission fétiche. Oui, votre émission fétiche. Voilà, fin arrive comme elle est là. Fin arriver. Votre émission fétiche. Comme chaque jeudi et le dimanche matin entre 10h et midi. Le Tropical Morning. Ah, il faut bien quand même. Hein. En tout cas, votre émission fétiche, il offre des cadeaux pour ce soir. Notamment, restez bien à l'écoute aux alentours de 20h30 pour tenter de gagner des séjours à l'hôtel. Allez, notamment donc à gagner notamment des cartes multipass. Oui, des cartes multipass. Oui, pour tenter de gagner des cartes multipass. Il faut appeler dès maintenant 06 93 488 996 06 93 488 996 justement donc la carte multipass donc c'est une carte permettant de bénéficier de réductions de 10 à 40% toute l'année et en les limiter au prix des, du réseau voilà donc partenaire de Savings. Voilà, on salue quand même notre partenaire donc Savings qui offre justement cette carte Multipass. Elle se t'appelle dès maintenant 06 93 488 996, c'est le standard. 06 93 488 996. Également pour les dédicaces pour ce soir, on salue quand même Elsie du côté de Piton Saint-Leu. Ah, Piton Saint-Leu, là, l'écoute à soir. En plus, juste avant prendre le direct à la radio, il y avait le son de Zao et Black M. Comment il dit parle-moi? Ah, il aime bien le morceau. Hein. Bonne raison d'aimer le morceau. Ah, il faut parler maintenant. Hein. Non, mais... Tu aimes le morceau, Zao, parle-moi. Parle-moi. En tout cas, allez délire, donc ça va être ça va être dans un instant aux alentours de 19h20 pour le jeu, le dialogue des bonsoirs. Ça sera tout à l'heure. Le principe du jeu justement, donc Smith s'appelle des personnes jusqu'à 20h et à partir de. Enfin, voilà, donc le principe c'est ça, mais appelle des personnes jusqu'à 20h. Et si la personne répond allô et bonsoir. Il passe à côté d'un pack cadeau ce soir. Notamment donc toujours le même. Hein. Ça faut pas douter hein, parce que personne n'a pas encore gagné. Tu te demandes diallo, tu te demandes bonsoir. Bah, comment il travaille là, là? Comment il reste là, là Voilà pour les dédicaces également. 06 92 170 862. 06 92 170 862. Également via le standard. Justement le standard 06 93 488 996 06 93 488 996 qui arrive côté programmation musique. Nora Taïk, le temps donc ça a été demandé justement par LC du côté des pistons de Piton Saint-Leu. Saint-Leu également Elena avec le titre M'a besoin à où et puis donc le retour de, du jeu le Nialo des bonsoirs sur Kayam FM pour ce soir. Allez, à tout de suite, c'est Dany dans le poste de ta radio jusqu'à 21h. Du nouveau dans l'Est, Graphicom, votre fabricant de publicité. Vous souhaitez promouvoir votre activité? Graphicom vous conseille dans la conception et la réalisation de votre image de marque. Graphicom, votre spécialiste de la communication visuelle, vous propose notamment vos marquages sur véhicules, la création de vos enseignes et panneaux publicitaires traditionnels ou lumineux, vos impressions sur t-shirt, en flocage, sérigraphie ou en broderie. Une large gamme d'objets publicitaires à découvrir, l'impression de vos cartes de visite et de vos flyers. Graphicom, c'est aussi la fabrication de vos oriflammes et bâches publicitaires. Pour vos devis gratuits, un seul numéro 06 92 707 801 06 92 707 801. Un hôtel ou un restaurant dans l'Ouest? Ayez le réflexe www.oussa-nous-dor.com ou téléchargez l'application Oussa Nous Dor sur iOS ou Android pour les bons plans. Hôtel Les Aigrettes, Hôtel Le Grand Bleu, Résidence Santa Apollonia, Restaurant Le Petit Bleu, Villa Marie-Lucie et location meublée saisonnière. Bienvenue chez Oussa Nous Dor.
Kayom FM à Sainte-Marie. 106.9 FM. Ni allô, ni bonsoir, le jeu où tout le monde échoue. Allez, c'est parti, le rendez-vous jeu, le ni allô, ni bonsoir. Le jeu où tout le monde échoue, avec un peu de crème chantilly. Mange toute ta crème, hein. Fais pas gaspillage. Allez, c'est parti, nous sommes du côté de Saint-Pierre, on appelle Héloïse du côté de Saint-Pierre. C'est parti, Héloïse, dans le jeu Le Nialo des Bonsoirs. C'est répondre. Alors Héloïse. À la fin de votre message. Si vous voulez modifier, tapez jazz. Allez, d'appel Elodie sur le standard. Elodie sur le standard. Elodie sur le standard. Allez. Du côté de Saint-Louis. Après Saint-Pierre, on passe du côté de Saint-Louis. Oui, bah là il est pas roulé là, parce qu'il est en mode couvre-feu. Allez, c'est parti, Elodie sur le standard, ou pas, parce que Meva qui prend le temps pour sonner. Bon, on m'a dit, on dirait, il veut pas, hein. Bon allez, c'est pas grave, peut-être qu'il n'y a pas réseau. Allez, c'est parti, nous recevons sur le standard pour ce soir. Et nous appelle Kissa. Oui, nous appelle Kissa. Le temps que le numéro qui s'affiche sur le standard. Enfin, sur le standard, non, le temps qui affiche sur mon écran. Oui, le temps qui s'affiche sur mon écran, justement. Et tiens, on appelle Mégane sur le standard du côté de Saint-Pierre, toujours dans le sud. Allez, c'est parti, Mégane. Du côté de Saint-Pierre, alors est-ce que ça sonne? Ah bah oui, ça sonne. Allô? Ah, quel dommage, bonsoir. Oui, bonsoir. Il est bien sur le portable de Mégane? Oui, c'est qui? Oui, c'est Dali de Tropical Night Live Tour émission, le bien. Oui. Ah, moi aussi, mais bien, merci. Alors, Mégane, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle pour pas mais commence pas, la bonne ou la mauvaise? La mauvaise. Allez, la mauvaise nouvelle, c'était le jeu Le Nialo des Bonsoirs. Malheureusement, elle répond à l'eau et on passe à côté d'un pack cadeau ce soir, notamment donc un coffret de parfum plus un massage relaxant. Voilà la mauvaise nouvelle, Mégane, pour ce soir. Ah d'accord, et la bonne? Eh ben la bonne nouvelle, nous l'en direct à la radio sur Kayom FM, tout de monnaie en haut, Mégane. Ah d'accord, bon ben, bonsoir tout le monde. Bah oui, bonsoir Mégane. Voilà Mégane, à ce qui paraît, de mon Saint-Pierre, chante bien. Allô? On dirait la plus réseau. Ah bah elle a été coupée. Bon on dirait. Ah là là. Bon alors Tommy rappelle Mégane du coup là. Parce que du coup bon, on est sympa ce soir. Au moins nous fait quand même une autre chance. Hein. Allez c'est parti. Nous rappelle Mégane. Peut-être t'as pas trop réseau là-bas. Et c'est parti. Nous rappelle elle. Répondent plus.
Bah écoute Megan, bah on passe à côté de ce jour pour deux personnes ce soir également. Voilà, mais c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, nous passe de l'autre côté également. Nous appelle qui ça ce soir? On appelle Allison du côté de Saint-Clotilde, c'est parti Allison. Alors, mais qu'est-ce que c'est Allison ou Edwidge? Ah, on dirait, on appuie sur le mauvais bouton. Alors, deux secondes. Ah, voilà. Ah, bah écoute, le standard, il veut pas appeler. Bon, bah c'est pas grave. c'est pas grave, on dirait le standard, il plane un peu. On est en souffrance ou quoi que ce soit, le standard. Allez c'est parti, j'appelle Laetitia du côté de Saint-Denis, c'est parti Laetitia du côté de Saint-Denis. Est-ce que ça sonne? Oui ça sonne. Bon. Allô? 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 Oui, bonsoir, quel dommage, mais les biens. Ah bah oui, après le bip, d'accord. Ok, bah en fait, c'était le répondeur. Mais bon, merci. Merci Laetitia. Et ben voilà. Oui, mais là, en fait, ma fille tombe sur 2-3 heures pour dire oh, allô? Allô? Laissez un message après le répondeur. Ah bah oui, bah là elle est bien. Là, là elle est bien. Là, là on l'a fait. L'erreur. Bon allez, c'est parti. Qui ça n'appelle ce soir sur le standard? Le temps qu'il retire au sort. Bah oui, parce que Nanata il répond pas. Le temps qu'il retire au sort justement. Le temps que les numéros, il y a Paris. Il rappelle à ça quand même que à 20h justement la rubrique Tropical Girl avec Annel d'ailleurs. Pour ce soir à partir de 20h. Et le rendez-vous jeu aux alentours de 20h30. Allez, nous sommes du côté du port. Il appelle Viviane sur le standard. Viviane, coucou Viviane, si tu nous écoutes, tapez un. Et c'est parti, Viviane. Bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave, Viviane. C'est pas grave. Allez, nous, ça va de l'autre côté. Nous appelle Natacha du côté de Sainte-Anne. Natacha du côté de Sainte-Anne, c'est parti. Natacha du côté de Sainte-Anne, du côté de l'Est d'ailleurs. Oui, il pleut toujours pas. Et c'est parti, Natacha, sur le standard. Allô. Allô. Ah, quel dommage, bonsoir. Oui, bonsoir. Mais il est bien sur le portable de Natacha. Oui. Oui, Natacha, bonsoir. C'est Dali de Tropical Night, live tour émission, les biens. Oui, c'est qui? C'est Dani de Tropical Night, live tour émission. Il est bien. D'accord. Oui, ça va. Bon, moi aussi, mais bien, merci. comme petit pot de boucané, bon, j'ai la rougasse aussi, c'est le gros piment avec piment à la pâte. Ça, au moins, je pense ça, c'est bon ça. Non. Comment ça, de Mounsa, t'as mangé pas ça. Ça. Bon, alors, Natacha, mais il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, bon. Par quoi il commence? Par la bonne ou la mauvaise? La bonne.
Bon, la bonne nouvelle, nous l'avons en direct à la radio ce soir sur Kayom FM. Te demande bien entendu, Natacha. Ok. C'est pourquoi pas. C'est quoi, c'est une radio? Oui, c'est une radio. Ah. Ou quelqu'un voulait être à la télé, ou quelqu'un ou croit vouloir à la télé. Non, impossible. D'accord, et la mauvaise nouvelle? Et la mauvaise nouvelle, c'était le jeu le dit allô, dit bonsoir. Malheureusement, la réponse allô. Et vous passez à côté d'un pack cadeau, notamment donc un coffret de parfum plus un massage relaxant, Natacha. D'accord. Ben, bonsoir alors. Ben oui, bonsoir. Vous êtes déçu, Natacha? Ben oui. Ah, ben écoute, hein. Faut bien, avec le couvre-feu... faut bien être déçu, hein. En plus, c'est jusqu'à 5 avril. D'accord, ben, baiser. Ah, tu connais pas l'info? Non. Ah, ben voilà. Donc, effectivement, donc le préfet l'a dit, c'est jusqu'au 5 avril. Effectivement, là, il a pris la décision cet après-midi. Voilà. Alors, bon, ça n'a pas éternisé là-dessus quand même sur le couvre-feu. Alors, Natacha, on dirait ou croit pas trop que nous l'avons en direct. C'est bien ça? Non, je crois pas. Bon, mets-toi le jingle de la radio, attends, bouge pas. Kayom FM, 106.9 FM. 19h21h, Dany prend le contrôle total de ta radio. Mais quand tu vas mettre des croyettes dans ma vie? Mais maintenant, on croit. Oui, ben, elle va gagner alors. Non, elle a pas gagné, elle a perdu. Comment il travaille? Comment voit tout le monde s'attendre comment elle est? Il dit oh la paix, d'après il croit qu'elle a gagné. L'a vu? Ouais, ça demande dans l'est, même ça. Non mais tant pis, ça grave, bon, mais, la prochaine fois. Mais là, ça va quand même mais notre chance, Natacha. Ouais. Ouais. Même si on habite pas Saint-Pierre. On habite Saint-Anne. Ah mais non. Ouais, si on aurait habité Saint-Pierre, bien, tu vois, Natacha Saint-Pierre, tu vois. Oui, ah, là, ben, on l'a fait à chaque fois. Ouais. Oui. Ah, on l'a fait. Ah ben oui, bah, c'est un blague pourri que m'a fait là alors. Dis-moi, la chef dit les pourris. Achève dit que l'animateur ça m'a gâté. Hein. Bon alors Natacha, vous l'avez participé, mais là c'est quand même une autre chance. Vous l'avez participé au jeu Récif par SMS au 80-90 le 8-12-2020, midi passé de 31 minutes et 8 secondes pour un séjour pour deux personnes à l'hôtel. C'est bien ça? Ok, ben sûrement parce que oui. Sûrement, on dirait, on l'a joué trois fois, dis-moi sûrement. Sûrement. Ah, comment on râle ça oh. Ah, d'ailleurs, il fait longtemps pourquoi on dit ça. Oui, il est vrai que dans en ce moment, mais il dit plus trop. Alors, du coup, Natacha, mais les prêts à offrir justement un séjour pour deux personnes avec petit déjeuner inclus, plus le pack cadeau que VNP a de me remettre en jeu, si vous dites moi le slogan complet de la radio Kayom FM. Est-ce que vous connaissez le slogan complet de la radio Kayom FM, Natacha? Ben non. Aïe aïe aïe, mais comment il râle ça? Ah ben là oui, là il râle pas, là il râle pas. En plus là, c'est là. Bon, alors, Natacha, mais vas quand même le slogan au cas où si la prochaine femme ira pas là-haut, on sait jamais, hein. Peut-être que ira pas là-haut, va connaître et va gagner les cadeaux, hein. Bon, oui. Alors écoute bien. C'est Kayom FM, c'est la seule radio. Il fait monter au quel côté bronze les charges, quel côté RH et quel côté fait cuit. Voilà le slogan complet de la radio Kayom FM, Natacha. Ben non, jamais me reçu. Ah bah oui. Voilà. Comme quoi quand il faut sortir le dimanche. Hein. Ben ouais. Voilà. Écoute plus souvent la radio. Bah oui, écoute plus souvent aussi. Bon, en tout cas, est-ce que vous avez un petit message à passer en direct à la radio, Natacha? Ben, coucou tout le monde, et puis, ben, bon cours fait, ça. Ah, bah ben, oui, en plus, râle ça jusqu'à 5 avril. Ben voilà, jusqu'à 5 avril. En tout cas, bisous, c'est une très bonne soirée, Natacha. Merci, bonne soirée à vous. Merci, aussi. Ciao, bye bye. Allez, au revoir. Ah, oh, comment râle ça oh. D'ailleurs, tout à l'heure, on va diffuser quand même le petit titre, le petit morceau. Allez, j'appelle Sonia du côté de Saint-André. C'est parti, Sonia, du côté de Saint-André, 19h34, sur la radio, pour ce soir, dans votre émission, le Tropical Night Live Tour, en mode couvre-feu. Allez, c'est parti. Alors, là, il y a ma petite base. Baiser. Hein. Ah. Allô? Allô? Ah, quel dommage, bonsoir. Allô? Ah oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Mettez bien sur le portable de Sonia. Oui. Oui, Sonia, bonsoir. C'est Dany de bonsoir. Tropical Night Live, oui. Tour Émission. Oui, oui. Quoi, oui, oui.
Pourquoi dis oui oui? Mais non, mais il écoute à où? Ah d'accord, dis oui oui. Je sais pas, peut-être qu'on connaît. Alors, Dani, alors c'est Dani de Tropicana, il a eu ton émission. Alors, mais il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Enfin, comme il commence par la bonne ou la mauvaise? Ben les deux. Bah oui, faut qu'on ait les deux, hein, mais bon, par quoi il commence? Mais il peut pas commencer par les deux, il est impossible. Mais donne-moi le mauvais, bon. Donne-moi la bonne. Bah, on va demander cette André comment elle est, tout de suite. Alors, la mauvaise nouvelle, c'était le jeu, le dialogue des bonsoirs. Voilà, donc la réponse à l'eau, il passe à côté d'un pack cadeau ce soir, notamment dans un coffret de parfum, plus un massage relaxant. Voilà la mauvaise nouvelle, Sonia, pour ce soir. D'accord. Et la bonne, vous voulez savoir la bonne? Oui, bah oui. Bah oui. Hein. Dire, moi, la mauvaise. Vous l'en foutant aussi, hein, pas possible. Hein. Bon, ben la bonne nouvelle, nous l'avons en direct à la radio ce soir sur Kayam FM. Tout de monde, toi, ou Sonia. Oui. Voilà. Là, on peut chanter, on peut faire ce qu'on veut. Costa, il ne veut rien. On ne veut pas donner rien. Il ne veut pas chanter pour. Ah, bah parce que Fodolman a fait pour chanter. Ah, ben non. Comment il travaille, là? Comment il râle, ça, là? Ah. Ah, ben bah, oui, mais là, elle est jolie, là. Bah, elle est bon. Madame, un petit peu de l'eau, alors. Non, oh, on va chanter. Non, bah oui, bah faut de loin un fait pour chanter. Non, je plaisante, Sonia. Je oui. Plaisante. Bon, alors, est-ce qu'on est déçu déjà? Bah oui, comme tout le monde. Ah bah m'y connais. Je pense que tout le monde peut le réarriver, oui. Ah bah m'y connais pas moi aussi, car m'y connais pas moi, c'est comme tout le monde est déçu, hein. Ah oui, Nen de les contents, hein. Que dire, on l'a pas gagné, les contents, hein. Ah oui, mais bon. Ah ouais, Nen de les contents pas gagné. Ah, oui, sérieux, la dit du moment qu'il passe à la radio, il est bien, hein. Là, ah, bah, en plus, en mode couvre-feu, là, pour rien bouffer. Bah bon, voilà. Alors, Sonia, mais là, ça quand même une autre chance. On connaît l'animateur, pas sauvage, hein. Oui. Bon, mais là, ça quand même une autre chance. Vous l'avez participé au jeu Récif par SMS au 80-90 le 8 décembre 2020 à midi passé de 38 minutes et 7 secondes pour un séjour à l'hôtel. C'est bien ça? Oui. Alors, donc, moi, il est prêt, justement, à avoir un séjour à l'hôtel, plus le pack cadeau que VNPAD me remet en jeu. Si vous dire moi le slogan complet de la radio Kayam FM. Est-ce que vous connaissez le slogan complet de la radio Kayam FM, Sonia? Kayam FM, vous connaissez le slogan. Kayam FM. Kayam FM. Est-ce que vous connaissez le slogan? Du tout, vous ne connaissez pas. Aïe, aïe, aïe. Mais comment il fait? Après, il me demande mes alentours, mais moi, je me connais pas. Qui ça vous demande? Il demande à ma belle-sœur, ouais. Oui, il demande. Garde, si Bana écoute la radio, allez, demande, allez, vas-y. On m'a demandé. Demandez. Bon, le temps qu'on demande, me rappelle quand même que tout à l'heure, à partir de 20h, justement, la rubrique Tropical Girl avec Annelle ce soir. Également, donc, la suite de la programmation. Hein, donc, si Zativ écoute un petit zizik, comme il dit, Zativ balance au niveau des textos, 06 92 170 862. 06 92 170 862. Également, si Zativ va appeler sur le standard tout à l'heure pour casser un petit peu les couilles avec moi. 06 93 488 996. 06 93 488-996 également donc le rendez-vous jeu à partir de 20h30 pour tenter de gagner des séjours à l'hôtel bien évidemment tout ça ben, voilà c'est au cours de la soirée. Alors est-ce que Sonia connaît pas? Aïe aïe aïe, ben m'y va dire le slogan au cas où si la prochaine fois me rappelle toi. Oui. Alors écoute bien, c'est Kayam FM, c'est la salle radio, il fait monter au quel côté branche à l'échange, quel côté RH et quel côté il fait cuit. Voilà le slogan complet de la radio Kayam FM. Il n'aurait pas trouvé. Ah ben oui, là-bas, moi j'allais ça, c'est pas ça, c'est André. C'est normal. Bon, Sonia, est-ce que... Je sais pas. Voilà, quel côté branche à l'échange, quel côté RH et quel côté il fait cuit. On a demandé sa radio quel côté, m'a dit qu'il n'y connaît pas. Radio quoi? Ma belle s'est demandé c'est radio quel côté. Ah c'est sur Saint-Denis, la radio. C'est Saint-Denis. Bah non, on ne connaît pas. Ah bah aussi, en plus il capte Saint-André, hein, c'est une bonne antenne, il capte hein, 106.9. D'accord, ben bah, ne connaît pas, désolé. Bah non, voilà. Bah, bah, bah là où l'a pris, elle a fait à soi. Hein. Ah. Non, là, il a fait à soi. Bah bah voilà. Hein? Il a tout perdu aussi. Ah bah oui, bah surtout si. Écoute un peu radio, mon. Ah. Ouais. Allez, est-ce qu'on a des petits messages que je fais passer Sonia pour ce soir? Non, bah, non.
Même pas un message oui, pour voilà, l'animateur. Bon, tout le monde s'écoute, c'est plus voilà. Et l'animateur, non, alors. Je rentre à la prochaine, mais c'est qu'elle va gagner. Ah, bah oui. Et l'animateur passe pas un big up alors. L'animateur comprend. Big up à l'animateur. Ah, quel est l'animateur, il prend un mangaté à quoi. Ah. Ou sinon, compte du beurre de micel. Ah. Ah. Bon, en tout cas, mes plaisantes, Sonia. En tout cas, mes soeurs, oui. très bonne soirée, en tout cas. Merci. Merci, allez, ciao, bye bye. Bye bye. Allez, en tout cas, pour le direct Facebook, on salue quand même les personnes qui regardent le direct pour ce soir, le direct Facebook également, sur la page de Kayom FM. Voilà le direct, le dire live, comme il dit, hein, le dire live. Allez, c'est parti, 19h40 pour ce soir, dans le jeu Le Niano des Bonsoirs. Un appel Caroline du côté de Saint-Paul, c'est parti, nous sommes un petit coup dans l'ouest. Caroline du côté de Saint-Paul, c'est parti, mon kiki. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Nous rebouge sur le standard. Pour ce soir. Elle appelle Émilie du côté de Sainte... rapide voix. Sainte-Marie. J'ai plus de voix. Allez, c'est parti, Émilie du côté du standard. Oui, bonjour. Le numéro que vous avez... Ah bon? Ben, écoute. Ouais, c'est les peu attribués, pas grave. Appelle Aurélie sur le standard du côté de Saint-Paul. Bonjour. Ah bah oui. Mais il pense que c'est le répondeur. Allez, c'est parti, on appelle du côté de Saint-Pierre, on appelle Priscilla sur le standard de ce soir hein, dans le jeu Le Nialo. Ni bonsoir Priscilla, c'est parti Priscilla. Priscilla, non c'est Priscilla. Alors, bonjour, vous êtes la messagerie vocale. Bon, c'est pas grave. J'appelle Camille. Camille du côté de Saint-Pierre. C'est parti Camille. Sur le standard. Écoute, écoute, Camille. C'est parti Camille sur le standard. Allez. Et ben ça sonne. J'ai plus de voix.
Bon bah sur la messagerie, c'est pas grave. Allez, on appelle Catherine sur le standard. C'est parti Catherine. Mais c'est pas au moins une personne y répondre. Elle a fait une réponse, mais bon. Allô? Allô? Ah, quel dommage, bonsoir. Oui. Comment? Bonsoir, mais bien sûr le portable de Catherine. Oui? Oui, Catherine, bonsoir. C'est Dany de Tropical bonsoir. Night Live Tour Émission, le bien. Attendez une minute parce que là je vous entends pas. Ah bon, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Alors c'est Dany de Tropical Night Live Tour Émission. Vive le bien. Oui. Bon, ça va. À mon bien merci. Je sais pas du tout qui vous êtes. Hein. Attendez une minute. Hein. Oui. Oui, alors, elle, Catherine amène une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Par quoi, mais commence par la bonne ou la mauvaise? Mais vous êtes qui, vous? Alors, bah oui, c'est Dany de Tropical Night Live Tour Émission. Bon, bah je sais pas, comme vous voulez. Bon, ben, on va démarrer par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'était le jeu, le Nialo des bonsoirs. Malheureusement, la réponse à l'eau, on passe à côté d'un pack cadeau ce soir, notamment donc un coffret de parfums plus un massage relaxant. Voilà, Catherine, pour la mauvaise nouvelle. Et la bonne nouvelle, bonjour. Nous l'aurons en direct à la radio ce soir sur Kayom FM. Tout le monde y entend où, Catherine? Excusez-moi, je comprends pas ce que vous dites. Alors, attends, m'y va dire lentement. Alors, la mauvaise nouvelle, c'était... La mauvaise nouvelle, j'ai compris. Voilà, la mauvaise... La bonne, pas compris. Alors, la bonne nouvelle, nous l'est en direct à la radio ce soir sur Kayom FM. Voilà la bonne nouvelle, Catherine. D'accord. Voilà. Super. Tout de monde attend. Alors, on dirait ou croit pas que l'on est en direct. Je sais pas, c'est la première fois qu'on me téléphone pour ce genre de truc, donc c'est pour ça que je suis un peu étonnée. Ah bah oui, bah oui, on est étonné, en plus on est du côté de Sainte-Marie, si je ne m'y trompe pas, c'est ça? Oui. Voilà. On peut écouter la fréquence 106.9 également, hein, sous Rapac Nolo en direct, également il peut mettre le jingle de la radio ce soir. Il met le jingle? Oui. Oui, ok. Kayom FM, 106.9 FM. 19h-21h, Dany prend le contrôle total de ta radio. C'est quand je vais mettre des croyettes dans ma vie. Voilà le jingle de la radio et de l'émission de ce soir. Catherine. D'accord. Voilà. Okay. Alors, mais là, c'est notre chance ou pas? Bah oui. Bah oui. Bon, on avait participé au jeu Récif par SMS au 80-90 le 8-12-2020 à 19h passé de 40 minutes et 21 secondes pour un séjour à l'hôtel pour deux personnes avec petit déjeuner inclus. C'est bien ça? Oui. Oui. On dirait ma partie trop vite. Alors, de toute façon, on avait compris qu'on avait participé au jeu Récif. Alors, donc, Milas a quand même eu notre chance, donc, mais les prêts à FAO, justement, un séjour pour deux personnes à l'hôtel, avec petit déjeuner inclus, plus le pack cadeau que VNP de me remettre en jeu, si vous dire moins, le slogan complet de la radio Kayom FM. Est-ce que vous connaissez le slogan de la radio Kayom FM, Catherine? Du tout, désolé. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est là. Bon, bah, mi-va-zéro quand même le slogan, Catherine, au cas où c'est la prochaine fois, mais rappelle, on sait jamais, hein. D'accord, ok. Bon, alors, c'est Kayom FM, c'est la seule radio, il fait monter au quel côté branche de change, quel côté il arrache et quel côté il fait cuit, voilà le slogan complet de la radio Kayom FM, Catherine. D'accord, ok, bon, bah, ça sera pour la prochaine fois. Voilà, effectivement. Est-ce que tu as des petits messages plus faciles en direct à la radio? Bah, gros bisous à tout le monde, aux gens que je connais et qui me reconnaîtront. Voilà, bah écoute, y a pas de souci, c'est Catherine du côté de Sainte-Marie, pour ça tu reconnais. Merci. En tout cas, bisous à toi, une très bonne soirée.
Merci, au revoir. Merci, allez, au revoir. Allez, 19h50 sur la radio pour ce soir. Nous passons un deuxième rappel ou un dernier rappel? La dernière, enfin oui. Le temps que je sais sur ma base. Et nous sommes du côté de Sainte-Rose. Oui, nous sommes du côté de Sainte-Rose. On appelle Julie du côté de Sainte-Rose. Et c'est parti. Emmanuel. Ah bah oui. Bon, en plus ça s'appelle Emmanuel. Mais bon, voilà. Ah, il rappelle. Bah écoute, on va. Allô? Allô? Ah, quel dommage, bonsoir. Bonsoir. Mais il est bien sur le potable de Emmanuel? Oui. Oui, Emmanuel, bonsoir. C'est Dany de Tropicana Night Live Tour émission, les biens. C'est qui? On n'a pas compris. Alors, c'est Dany. De oui. Tropical Night Live Tour émission. Oui. Vous voulez bien? Oui. Ah moi aussi, mais bien merci. Alors Emmanuel, mina une bonne et une mauvaise de belle peau. Par quoi mi commence? Par la bonne ou la mauvaise? Ben la mauvaise. Bon, la mauvaise nouvelle, c'était le jeu le nez à l'eau des bonsoirs. Malheureusement, la réponse à l'eau. Vous passez à côté d'un pack cadeau ce soir, notamment donc un coffret de parfums plus un massage relaxant. Voilà la mauvaise nouvelle, Emmanuel, pour ce soir. Merci. C'est la mauvaise. La bonne. Ben voilà, la bonne nouvelle, nous l'avons en direct à la radio ce soir sur Kayom FM, Todo Moniatao et Emmanuel. Ah bon? Bah oui. Hein? Bon, en plus, tu l'as rappelé, donc c'est cool. Et ben oui, mais bon, voilà. On est déçu. Cette connerie-là. Hein? C'est qui là, je donne mon numéro? Ah bah si vous même Julie. Non, Emmanuel, pardon. Bah donne mon numéro, personne. Ah bon, on est sûr Emmanuel? Alors on parie? Ah oui, c'est sûr. Ah, on parie Emmanuel pour un baquet de manger. Oui, mais bon. Pourquoi pour un baquet de manger? Hein. Mais bon. Si vous voulez sûr que là va donner le numéro. Ah oui, mais les sûr. Bon bah les bon alors. Bah prépare toujours le baquet. Ah bon. Prépare toujours le baquet, bien bien au gars, ceci c'est gros piment. Et... Alors Emmanuel, vous l'avez participé au jeu Récif par SMS au 80-90 le 9-12-2020 à 3h matin, oui 3h passé de 1 minute et 3 secondes pour un séjour à l'hôtel avec petit déjeuner inclus. Ça m'a lâché. Ah bah oui, vous vous rappelez maintenant, hein? Bon, hein? Oui, la me rappelle, oui. Bah voilà, donc Miguel a un baquet de manger. Ah ben, il veut le cadeau, moi, il veut le récif. Ah bah, attends, vous la payez. Alors. Le truc, c'est qu'il fallait pas te répondre. Fallait pas répondre à l'eau et bonsoir, tout simplement. Mais, pas répondre, moi, vu que c'est moi la rappelle à vous. Oui, mais quand même qu'on l'a rappelé, il fallait pas dire allô et bonsoir. Il fallait pas dire bonsoir alors. Bah oui, et même pas allô. Alors, Emmanuel, oui. Mais là c'est quand même une autre chance, d'accord? Oui. Ok, bon. Et là, ils mettent le séjour pour deux personnes à l'hôtel Le Récif avec petit déjeuner inclus en jeu, d'accord? Plus oui. Le pack cadeau que VNP Admiro met en jeu également. Si vous dites moi le slogan complet de la radio Kayom FM. Est-ce que vous connaissez le slogan complet de la radio Kayom FM, Emmanuel? Ah non, pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Bon, Emmanuel, il va dire quand même le slogan complet au cas où c'est la prochaine fois, il rappelle là-haut, on sait jamais, Emmanuel. Hein? Ben oui. Bon, alors écoute bien. C'est Kayom FM, c'est la seule radio. Il fait monter au quel côté branche de charge, quel côté RH et quel côté FQ. Voilà le slogan complet de la radio Kayom FM, Emmanuel. D'accord, ok, ben va te retenir pour la suite. Oui, sûr ou retiens? On dirait oui, pas trop trop sûr. Bon, ben allez, bon alors, oui, bah, on est bon, c'est à vous alors. Bon, Emmanuel, pas trop déçu pour ce soir?
Ben non, ça va, mais c'est pas... Je te connais pas, donc je peux pas être déçu. Ah d'accord. Bah bon, mais nourrir off, ouais, cadeau, mais bon. Tu t'es déçu, mais bon. Mais comme vous voulez pas déçu, c'est pas grave. Bon. Ah mais c'est pas du jeu. Quoi, c'est pas du jeu? Vous en voulez pas déçu? Bah mais nourrir off, ouais, cadeau de consolation, mais bon. Non, mais plaisante. Comme vous, ce sera le dernier rappel, justement, Emmanuel. On repart avec une carte multipass. Est-ce que vous connaissez quoi, la carte multipass, Emmanuel? Non plus. Non plus. Alors, la carte multipass, en fait, c'est une carte permettant de bénéficier donc de réduction de 10 à 40% toute l'année et en illimité, justement, auprès du réseau de partenaires. Voilà, tout simplement. D'accord, donc avec okay. Notre partenaire Savins Immediately, voilà. Voilà, donc mi va faire cette petite carte là justement, mi va rappeler d'ici cette semaine ou la semaine prochaine pour voir comment récupérer ou te carte multipass, Emmanuel. Ok, d'accord, c'est bon. Mais bon, est-ce qu'on a des petits messages à passer en direct à la radio? Bonsoir à tous et merci d'avoir appelé. Big up, Kayon FM. Oui, et l'animateur, non, là, on passe pas un big up. Ben, l'animateur aussi. Voilà, parce que quand tu t'es croit, l'animateur, t'es un manga, t'es un manga. Mais bon, c'est pas grave, en tout cas. Merci, Emmanuel, et puis, monsieur, t'as une très bonne soirée. Ben, merci, bonne soirée. Merci, allez, ciao, bye-bye. Bye-bye. Allez, 19h56, en tout cas, c'était le dernier appel sur le jeu, le Nialo dit bonsoir. Ni allo, ni bonsoir, le jeu où tout le monde échoue. Info sponsor, toute l'actualité des partenaires Tropical Nights. Votre glacier des arcs-en-ciel vous propose ses différentes formules. Sandwich gratiné, sandwich crudité, sandwich américain, panini, croque-monsieur ou encore ses fameux croque-panini. Les formules assiettes, salade et bien sûr nos hamburgers. N'oubliez pas, dessert, crêpes, gaufres, glaces, boissons fraîches. Votre glacier des arcs-en-ciel vous accueille du mardi au samedi de 11h à 18h et le dimanche de 15h à 19h. N'attendez plus, passez votre commande au 06 92 34 94 28. Une seule adresse à retenir, votre glacier Les Arcs-en-Ciel, rue Montfleury, à côté du cinéma Cristal à Saint-Benoît. Le Boxing Club de l'Est à Saint-André-Cressonnière vous propose des cours de savate boxe française et savate forme. Venez découvrir les sections sport santé bien-être pour les seniors et les personnes en surpoids. Une séance d'essai gratuite. Venez faire partie de la BCE Family. Pour toute information, appelez le 06 92 79 72 06 ou le 06 93 40 66 21. Site Facebook BCE Savate Boxe Française. Chez Henriette Fleur à Saint-Benoît, retrouvez une multitude de fleurs aussi belles que colorées. Une large gamme de bouquets et compositions pour tous les budgets. Des plantes fleuries également pour les anniversaires, baptême, communion, mariage, deuil ou tout simplement pour le plaisir d'offrir. Passez vos commandes au 02 62 50 33 87. 50 33 87. Jouez et tentez de gagner une nuit pour deux personnes avec petit déjeuner inclus à l'hôtel Alamanda. Envoie Alamanda par SMS au 80 90. Kayam FM, 106.9 FM. Kayam FM. Likez si Facebook, quand ta roue ton ciel se rapproche d'un monstre finalé. Si tu aimes likez si Facebook, quand tu vas plaire et ton bon ami va partager. Continuez likez si Facebook, quand ta roue ton ciel se rapproche d'un monstre finalé. Si tu aimes likez si Facebook, quand tu vas plaire et ton bon ami va partager.
Skyrim FM à Sainte-Marie. 106.9 FM. 106.9 FM. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Coucou les girls. Alors, j'espère que vous allez en forme et de bonne humeur. En tout cas, moi, m'y pète la forme, comme chaque fois que moi, elle est avec Zot. Franchement, c'est un réel plaisir de partager avec Zot des astuces, des conseils, des informations, même des anecdotes assez rigolotes. Et aujourd'hui, bien évidemment, on ne peut pas passer à côté d'un événement que la touche toutes les girls. Que ça va se passer, Dani, cette semaine. Alors, si vous ne connaissez pas, ce n'est pas normal. La journée des droits de la femme. Voilà, c'est ça. Lundi 8 mars, donc nous l'a fêté, la journée internationale des femmes, également appelée journée internationale des droits des femmes. Bon, bien évidemment, hein, comme il dit, il y a 365 jours dans l'année, tous les jours c'est la fête de la femme. Sauf que c'est vrai qu'elle a voulu mettre en avant cet événement, hein, c'est plus pour mettre en avant les droits de la femme, comme nous dit, mais c'est vrai que dans le jargon, on nous dit plus c'est la journée internationale de la femme, que les célébrer le 8 mars, hein, c'est une journée internationale mettant en avant la lutte pour les droits des femmes, notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. On a encore beaucoup, beaucoup de travail. Hein. C'est vrai que de plus en plus, des évolutions, hein, que ce soit en politique, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, même dans la société, les femmes y imposent à autres de plus en plus. Même dans la musique, à mi-part de la musique, parce que moi, dans le domaine, c'est vrai que les durs d'imposer à nous à l'heure d'aujourd'hui dans ce monde-là, mais nous tient beau, nous lague pas. C'est vrai que c'est la Russie, hein, pour revenir un petit peu, faire un peu d'historique vite fait, que le premier pays à officialiser en 1921 en faisant un jour férié mais non chômé jusqu'en 1965. Après, il est vrai que l'événement restera principalement cantonné au pays du bloc socialiste jusqu'à la fin des années 60. Et c'est finalement dans les années 1977 que les Nations Unies officialise la journée, invitant ainsi tous les pays de la planète à célébrer une journée en faveur des droits de la femme. Donc c'est vraiment une journée internationale, hein, et pas seulement pour la France, hein, il y en a quand même pas mal de journées internationales dans une année. Il y en a 87 journées internationales reconnues par l'ONU. Donc il fait quand même partie des 87 journées internationales reconnues dans le monde, donc qui reste quand même important. Les vrais comédiens, plus communément appelés journée de la femme. Mais c'est vrai que c'est la naissance en quelque sorte d'une nouvelle mouvance. Et c'est vrai que cette année, nous l'a fait une journée de la femme un peu particulière, avec dans un contexte très particulier. Et cette journée de la femme 2021, c'est vraiment une année basée sur le thème du leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de Covid, comme il dit, hein, pour célébrer justement les efforts considérables déployés par les femmes et les filles partout dans le monde pour façonner un futur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie de Covid-19, hein, que nous parle en long, en large, en travers, et met en lumière des lacunes à combler. Donc, c'est vrai que la participation pleine et effective des femmes et leurs accès aux fonctions de direction dans tous les domaines de la vie favorisent le progrès de toutes et de tous. Pourtant, les femmes restent sous-représentées dans la sphère publique. Les postes de décision, comme révèle notamment le rapport du secrétaire général des Nations Unies, hein, nous reparlons encore des Nations Unies, les femmes sont à la tête d'un État ou d'un gouvernement dans 22 pays et elles n'occupent que 24,9% des postes parlementaires nationaux. Donc c'est vrai que les femmes sont également au premier plan, hein, qu'on a pu voir, de la lutte contre le Covid. Mais revient notamment sur le personnel de santé. Certes, le personnel de santé n'est pas exclusivement représenté par des femmes, mais en tant que scientifique, il y a quand même beaucoup de médecins, d'aides-soignantes, d'infirmières qui travaillent chaque jour dans cette pandémie. Bon, bien évidemment, messieurs, azote aussi, hein, il ne faut vraiment pas
prendre ça mal. Il reste quand même un événement de commémoration, hein, parce que nous mettre aussi en avant toutes les femmes que la marque à nous dans cette histoire. Et c'est vrai que nous, nous parlons souvent en métropole, nous parlons métropole France, hein, mais aussi à La Réunion, d'une grande dame comme Simone Veil, hein, qu'elle était à l'origine des contraceptions pour les femmes, une grande liberté pour les femmes, savoir vouloir un enfant quand on le veut et non pas subir justement cette maternité, parce que ça peut paraître bizarre, ça peut choquer certains, mais nous, les femmes, on aimerait aussi pouvoir choisir quand on veut être maman. Donc, c'est vrai que ça, ça fait partie d'une personnalité féminine qui nous a marqué, mais alors là, au plus haut point. Après, c'est vrai que dans tout ce qui est sphère politique et qui reste une image, pour donner une image réunionnaise dans cette sphère politique nationale, on pense notamment à Erika Baredj, hein, qui était notre ministre, hein, il n'y a pas encore longtemps, et qui est maintenant maire de la ville de Saint-Denis. Ce sont vraiment des femmes qui montrent que, voilà, nous aussi on peut avoir une position de femme forte dans le domaine politique, dans le domaine social, dans le domaine public. Et moi, justement, pour pouvoir mettre en avant ces femmes-là, j'ai voulu aujourd'hui mettre en avant une femme qui a marqué l'histoire de La Réunion et notamment de l'esclavage, c'est Madame Desbassins. Est-ce que vous connaissez Dany, c'est qui Madame Desbassins? Oui, il faudra en dire un peu plus. Ben voilà, justement, pour que ça clé comme Dany connaît juste l'histoire de Madame Desbassins ayant toute la Saint-Gilles là. Oui, parce que assez souvent on nous dit oui, Madame Desbassins, elle est là, ayant encore les lieux dans les hauts de Saint-Gilles, les hauts, etc. Ben, peut-être, parce qu'il reste quand même une grande dame de La Réunion, Marie-Thérèse Omblin Desbassins, née Gonod-Montbrun, connue sous le nom de Madame Desbassins, née le 3 juillet 1755 à Saint-Paul et morte le 4 février 1846 à 90 ans à La Réunion, est une grande propriétaire foncière de l'île de La Réunion. Ça montre encore la force, hein, Dany, hein. Tu as vu, c'est vrai que dans ces années-là, en plus, être une femme de pouvoir, c'était encore pire que de nos jours. Donc, elle est l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire de La Réunion, dont elle était l'une des plus grandes fortunes, en particulier après la mort de son mari, Henri-Paul Panon de Desbassins. Elle est aussi une figure controversée du folklore réunionnais. C'est vrai qu'on la comparait un petit peu à une sorcière. Donc pour revenir un petit peu brièvement sur sa biographie, héritière fortunée, elle épouse en 1770 en l'église de Saint-Paul Henri-Paulin Panon, dit Desbassins, petit-fils d'Auguste Panon, dit l'Europe, et de Françoise Châtelain, donc de 23 ans son aîné. Il lui donnera 11 enfants, dont Philippe, Charles et Joseph Desbassins. Par le mariage de sa fille Mélanie, elle devient aussi la belle-mère du comte Joseph de Villèle, ministre de Louis XVIII, et de Charles X, qui donnera son nom au domaine de Villèle qu'on connaît bien et au musée de Villèle, hein, qui existe toujours et qui fut l'une des demeures de Madame Desbassins. Comme je disais, je parlais d'hanter les lieux. Souvent, on dit que justement, le domaine Villèle, le musée Villèle est encore hanté par l'esprit de Madame Desbassins. Bon, c'est pour rigoler un petit peu, mais écoutez, on est libre d'y croire ou non, hein, après chacun sa croyance. Après la mort de son mari en 1800, elle gère le patrimoine familial avec une remarquable habileté et fermeté et apparaît à cette occasion comme une femme de trempe, à la santé de fer, travailleuse et organisée. Son immense propriété, qui s'étend sur plusieurs centaines d'hectares, notamment à Saint-Gilles et au Bernica, employait en 1845, écoutez, plus de 406 esclaves d'après son testament, respectivement 295 et 111. Il travaillait essentiellement à la culture du café et de la canne à sucre, la seconde se développant désormais plus vite que la première. Donc, Madame Desbassins acheta une glacière en altitude, les esclaves cassaient la glace en morceaux, puis les transporter pour elle jusqu'à Saint-Paul, puis jusqu'à la rivière des Puits pour son fils Charles. Vous imaginez quand même la charge de travail
qui avait pour ses esclaves. Avec ses fils, Madame Desbassin développe l'industrialisation de la culture de cette plante. D'une ferveur religieuse intense, elle peut dès lors faire construire en 1842 une chapelle destinée à sa famille et ses esclaves, dont non loin de sa maison de Saint-Gilléo, la chapelle Pointue. Elle s'éteint le 4 février 1846 à l'âge de 90 ans. Donc, souvent, on dit que Madame Desbassin, c'est une double représentation, hein, parce que c'est vrai, très controversé. Le personnage de Madame Desbassin est un enjeu de mémoire important sur l'île de La Réunion et fait partie de son paysage littéraire. Pour Jean Barbier, ces représentations cristallisent le malaise et les peurs de la société post-coloniale. Décrite comme une personne généreuse et admirable par une partie des colons de son époque, elle est perçue comme un personnage mauvais et cruel avec ses esclaves par la tradition populaire. Ses partisans vantent la chapelle qu'elle avait ouverte pour la famille et ses esclaves, et surtout le seul hôpital des esclaves de l'île construit par ses soins. Donc ça reste une personne controversée, mais qui reste quand même plus ou moins généreuse. À l'inverse, dans les récits populaires créoles, elle est souvent associée à la sorcière grand-mère Cale ou au diable. Et on lui attribue des crimes abominables parce qu'elle symbolisait l'esclavagisme lui-même, le mauvais maître par l'excellence, ou parce que sa place de femme entrepreneur a pu susciter beaucoup de crispations. Hein. Des expressions lui sont associées pour décrire un comportement abusif. Et des légendes racontent que les éruptions du volcan du Piton de la Fournaise seraient en fait des supplications des ouvriers travaillant près de son ancien domaine. Donc, on murmure alors que Madame Desbassin aurait utilisé le sang des esclaves pour fabriquer des pierres de mortier. Franchement, les légendes entourant son personnage et sa biographie ont inspiré certains auteurs, comme le poète rayonnais Boris Gamaleya, avec le volcan à l'envers, où Madame Desbassin, le diable et le bon Dieu, décrivant ainsi Madame Desbassin en confrontation avec le diable et les esclaves marrons, ou encore Jean-François Samelong avec son roman historique éponyme. Plus récemment, en 2006, c'est Yves Manglou qui a écrit Kaloubadia, Madame Desbassin, un conte entièrement en créole rayonné. Puis enfin, en mars 2015, Madame Desbassin, mythe et réalité d'une icône de l'esclave, réalisée par William Cally avec l'aide de l'écriture de l'historien Sudel Fuma, hein, qui s'en est allé il n'y a pas encore longtemps, et produit par Capali Studio et France Télévisions, a été diffusée sur la chaîne très regardée à La Réunion. Des spécialistes comme la conservatrice de musée de la Compagnie des Indes de l'Orient, Marcel Dorigny, maître de conférence à l'Université de Paris, des écrivains et historiens régionaux ont aussi collaboré au film. Donc tout ça pour vous dire quand même que Madame Desbassin reste une image forte de notre histoire à La Réunion, et notamment l'histoire des femmes, parce qu'elle a su en elle seule gérer des esclaves, gérer une propriété. Donc ça montre vraiment qu'une femme aussi peut. Quand on peut, quand on veut, on le peut. Voilà, tout ça pour vous dire encore une fois, mesdames, une bonne fête de la femme, hein, même si c'était lundi, c'est pas grave, c'est tous les jours notre fête. J'espère que cette petite histoire sur Madame Desbassin vous a plu. C'est vrai qu'on entend et on entend encore, encore et encore des histoires sur cette fameuse histoire. Et moi, je voulais brièvement vous montrer justement l'histoire d'une femme forte qui a marqué l'histoire, à la fois dans un contexte assez particulier, là où il y a eu des esclaves, et un contexte où c'est vrai que l'image de la femme n'était pas forcément associée avec du pouvoir. Voilà. Sur ce, Nani, je fais un gros bisou à tout le monde. J'espère que vous avez apprécié le petit moment qu'on a passé ensemble, petit moment d'histoire, et oui, parce qu'il le faut parfois. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires, conseils, informations. Bisous, bisous. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre.